Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale sur les 8 choses les plus importantes dans une relation. Que vous soyez dans une relation actuellement ou que vous cherchiez à en construire une, ces conseils vous seront utiles. Alors, commençons. Numéro 1. La communication. La communication est la clé d'une relation réussie. Prenez le temps de parler ouvertement, d'écouter et de comprendre votre partenaire. Exprimez vos sentiments, vos besoins et vos préoccupations de manière respectueuse. Numéro 2. La confiance. La confiance est fondamentale. Elle se construit avec le temps et se nourrit de l'honnêteté et de la fiabilité. Soyez fiable et honnête dans vos actions et vos paroles. Numéro 3. Le respect mutuel. Le respect mutuel est essentiel. Respectez les opinions, les besoins et l'espace personnel de votre partenaire. Traitez-vous avec considération et gentillesse. Numéro 4. Le partage des responsabilités. Dans une relation saine, les responsabilités sont partagées équitablement. Collaborer dans la prise de décision et la gestion des tâches renforce la connexion entre les deux partenaires. Numéro 5. L'intimité émotionnelle et physique. L'intimité émotionnelle et physique renforce les liens. Partagez vos émotions, vos rêves, et maintenez une connexion physique saine pour nourrir l'amour et la passion. Numéro 6. Tolérance et compréhension. Personne n'est parfait. La tolérance et la compréhension sont nécessaires pour surmonter les différences et les désaccords. Acceptez les imperfections de votre partenaire. Numéro 7. Temps de qualité. Accordez-vous du temps de qualité. Passez du temps ensemble, partagez des activités et créez des souvenirs pour renforcer votre relation. Numéro 8. Évolution continue. Les relations évoluent. Soyez prêts à grandir ensemble, à apprendre de vos expériences et à ajuster vos attentes pour une relation épanouissante à long terme. En résumé, ces 8 éléments sont les piliers d'une relation solide et épanouissante. Prenez le temps de cultiver ces aspects et vous serez sur la voie d'une relation saine et durable. Merci de nous avoir rejoints dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et de contenu sur les relations. À la prochaine !